à tous, c'est François de la chaîne Tuto News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto qui va concerner donc les niveaux de charge de vos appareils Bluetooth, donc sur vos iPhones ou iPad. Car j'ai remarqué que sur mes propres appareils, par moment, j'avais pas le taux de charge en pourcentage donc de mon casque Bluetooth, de mes écouteurs Bluetooth. Ou de mon Apple Watch. Donc, je vais vous faire voir comment mettre ces taux de pourcentage parce que c'est quand même assez pratique de les avoir avec nous. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve derrière mon iPhone qui est un iPhone 10. Alors, vous allez aller sur le coin en haut à droite et vous allez faire un slide vers le bas. Et là, vous allez voir, donc en haut, donc la localisation, les écouteurs, donc mon casque, Beats et à côté la batterie du Beats. Et ensuite le pourcentage de 53% qui est celui de mon iPhone, mais pas du tout de mes écouteurs. Alors c'est ça qui va nous intéresser. On va essayer d'aller chercher donc les pourcentages de tous nos appareils, donc Bluetooth. Alors on revient sur la page donc d'accueil. Et on va faire un petit slide de la gauche vers la droite. Et on va descendre juste en bas. Et en bas, vous allez appuyer sur le petit bouton modifier et vous voyez que apparaissent donc tout ce qui est ajout de widget. Vous allez descendre et vous allez cliquer sur celui où il y a marqué batterie. Voilà. Vous remontez plus haut, vous voyez qu'il fait partie des widgets qui vont être actifs. Voilà, au niveau tout en bas. Voilà. Ensuite, vous revenez sur votre page. Hop, vous slidez vers le bas et vous voyez que mon iPhone donc est connecté, l'Apple Watch ainsi que le casque Beats avec le pourcentage de batterie de chacun de ces appareils. Donc voilà, donc je pense que c'est assez pratique de savoir tout ça, car si vous allez donc en vacances, vous prenez l'avion ou le train, ou alors vous allez à la salle de sport, vous allez peut-être apprécier de savoir le niveau de batterie qui vous reste. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Ciao!